Yo, Kusumine-san, Tsubik des, on se retrouve sur Captain Tsubasa, nous sommes vendredi matin, c'est le Coffee Mage, Yen Mage, j'ai un café, c'est le Proxy. Voilà, vous êtes pas nombreux ce matin, pourtant c'est un Dreamco les gars, je comprends pas. Bon allez, on y va. On se fait chier un peu quand même sur le jeu en ce moment, hein. Pas se mentir, hein. Salut ma Brooke. Mais bon, ah pardon, il y a du download. Ah là là. Allez, Xiao, tueur de Genzo. On va voir ça. Salut Marcos, comment tu vas? Bah, écoute, ça va. Merci, et toi, ça va? Oh, oui, ça va, ça va, ça va. Ça va, quoi. Xiao, 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 Xiao. Allez, let's go. Alors, le Dreamco, il est là, tac, 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 tac. Alors, on est combien? Bah oui, on est vendredi 13, bien entendu. Bien entendu. Alors, défi finaliste en cours. Donc ça, c'est l'event qui pop après le Dream Championship. Et en général, c'est sympa, ça, normalement. Oui, ça, c'est... on les connaît. Bah, médaille de marché Tamutsuide, des Dream Balls, des tickets SSR. On verra si on pourra récupérer un petit ticket ce matin. Salut, Goken. Un Dreamco timide. Ouais. Alors je sais pas s'il sera timide dans sa puissance de frappe. Mais ouais, un Dreamco timide. Voilà, bon bah écoutez, hop, voilà, ça c'est fait pour les news. Ensuite. Oh mince, j'ai oublié d'appuyer. Je suis en train de rater le PowerPoint. Le grand dragon. Koryo. Ah ouais, bah il y a les Français en write-up. Il y a les Français en write-up. Bon, c'était un peu annoncé, mais. On savait pas trop si c'était Portail France. Qui allait sortir derrière, avec Zedan notamment. Je trouvais ça un peu tôt pour le retour des Français. Mais bon, ils sont là, donc... écoutez, tant mieux pour ceux qui veulent aller les chercher. Moi, j'irai pas. Parce qu'en plus, il faut les deux. Donc ça ne me servira à rien. Et en plus, j'ai pas de Dream Balls pour y aller. Tu vois, il y a un truc sympa, là, ou pas? Non, y a rien. Ok. Bon, bah c'est parti, hein. Salut Canada, ça va? On va aller voir le CIO, hein. À 9h30, il est fini le Coffee Mage. C'est le... Je sais pas pourquoi je me suis fait un grand café. Voilà, je suis avec ma tasse spéciale Coffee Mage avec Kenshin et puis le petit chat Sopic là, que vous ne voyez absolument pas. Voilà, pour ceux qui connaissent pas ce mug collector. En fait, j'aurais dû prendre un expresso, voire un petit ristretto, je ne sais pas. Allez, c'est parti, Xiao. Xiao, Xiao, Xiao. Jung Wang. La jambe qui fait trembler le monde. M-O-M-D. Ah, il est M-O quand même. Je crois qu'il était que M-D. J'ai pas fait gaffe. Il est chinois. Il est Rising Sun 1347. C'est vrai qu'on a pas eu de portail Chine, Corée, machin. Ça. Bon, après, ils sont pas... Chine, Rising Sun. Il y avait la Chine, Rising Sun? Visiblement, oui. Ah, quand il renvoie le tir de Naturaza et Santana, visiblement. Je suis pas un spécialiste, hein, de... Oh, merci beaucoup pour le follow. Ah, bah ça y est, on est à 1000. On a 1001. Oh, c'est beau! Ah, c'est beau! On a 1001. Merci beaucoup. Merci, Alfred. C'est Jess. Hein. C'est lui qui. Bonjour tout le monde et bonne journée. Tu t'en vas? Salut, Alex. Salut, salut. Alors, 11 000, je disais, en dribble. 12 000 en tir et 11 500 en passe. On est pas mal. 11 000 en tacle, 11 000 en inter. Ça me paraît assez complet. 10 400 en rapidité, on est bien. 10 800 en tech, on est bien. Puissance 10 000. Pour l'instant, 12 000 en tir, 10 000 en puissance, c'est pas forcément incroyable. Mais bon, on sait qu'il a les augmentations derrière. Il est très bon sur ballon bas. Je me souvenais pas ça. C'est le level lambda. Nul, je suis pas millésime. Et du coup, qui c'est qui est millésime? Eraser. Hein. Mais Eraser, tu triches, Eraser. Je sais pas si tu regardes cette vidéo. Tu triches, Razor, il me semble que t'étais pas déjà follow là? T'as pas unfollow et refollow à 1000? T'as cru que c'était comme dans les cups quand on était classé 1000, il y avait un bonus? Non, le bonus il est pour moi. Allez, tout joueur compétence plus tout paramètre 21%, pardon. Assistance, probabilité fixe. Pour le joueur de venir participer au duel défensif d'un coéquipier seul dans un certain rayon sauvegarde. Voilà. Donc ça c'est un très bon. Comment dire? C'est un très bon passif. Enfin c'était un très bon passif. Que je préfère largement à celui de Kals. Mais bon, maintenant est-ce que c'est vraiment un très bon passif avec
avec c'est Santana qui l'a réussi, non? Enfin, Nato Reza en tout cas. C'est Santana hein, qui a le passif où tu dégages la moitié là. Tu dégages tous les joueurs qui viennent t'embêter là. Non. Quelqu'un peut se défollow? Il faut changer d'objectif. Road to 5000. Oh! Non. Non, je pense que c'est. Parce que comme j'ai expliqué, en plus, c'est pas 1000 personnes qui suivent Tsubasa. Il y en a beaucoup qui étaient là pour les jeux que je pouvais faire avant. Donc, voilà. Si vous m'écoutez, si vous passez par là, ne unfollowez pas, s'il vous plaît, laissez-moi à 1000. Ça me va très bien. Combinaison fulgurante à 455, donc la 1-2. Le grand dragon à 555. Le nouveau tir, le tir le plus puissant du jeu. Xiao, Santana, Natoraza. Tac, tac, tac. Ça envoie 3 adversaires, ne perd pas d'élan. Voilà. Le bourrin, il coûte 600. Voilà, donc autant vous dire que vous n'allez pas non plus tirer 5 fois dans le match. Mais bon, déjà de base, vous avez de quoi tirer 2 fois dans le match. Et en plus, si vous êtes en full pot, bah, ça vous permet de tirer un peu plus que ça. Ils l'ont mis en spé numéro 2. Important de noter. Ce qui veut dire que si vous n'avez ni Natoraza ni Santana, vous pouvez quand même enlever le tir et aller mettre autre chose. Puisque la 1-2, de toute façon, est une 1-2 solo. Ouais. Slalom à 1 vitesse. Donc il est bien, comment dire, il est bien monté pour être MO et non pas ND. Et puis on verra. Il est monté comme notre ami Mika, notre copain de 1 hein, qui est sorti lundi dans la hype générale. Salut Hopes, salut Super Cookie, salut Alec. Voyons, il y a du monde. Il y a Tsubi aussi. Ah, c'est Tsubi. Natu et Tsubasa, c'est Tsubasa. Tsubi. En plus, il a courage. Donc quand il reste 2-3 points d'endurance, il tire quand même à fond, tout à fait. Tout à fait, en plus il est court. Mais ouais, mais tu spoil, je l'avais pas dit encore. Oh, pas possible. 6% avec 2 longjap. Ok, quelle que soit la couleur, 6%. Tout va bien. C'est du buff normal. En gagnant un duel, tout paramètre plus 30%. Voilà. Lui, il va truster un petit peu les tops. Donc c'est comme la Naturezza. 30% c'est costaud quand même. Mouvement sur une 1-2 réussie, 100%. D'accord, c'est que sur une 1-2. Ok. Que sur une 2. Interception auto, sans restriction, 100%. Donc très bien, pour un milieu, c'est ce qu'on veut. Et tant qu'il reste un d'endurance, il est capable de tétaner. Ok. Bon. Alors, où est le problème? Alors le problème, c'est qu'il a zéro augmentation de stats tant qu'il n'a pas gagné un duel. Donc, ce qui devrait le faire quand même, parce qu'il a des bonnes stats. Mais bon. Tant qu'il n'a pas ni gagné le duel, il n'a pas d'augmentation de stats et il n'a ni anti-scellement. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre sa fiche. Ni anti-scellement, ni scellement. Donc, il va falloir lui doubler ses SP. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, la 1-2 est à 455. Sa deuxième 1-2, jeu de passe rapide, est à 415. Et c'est avec Schneider et Levin. Donc, autant dire, pas évident. Pas évident, pas évident. Donc, déjà, si vous faites sceller la 1-2, vous n'avez rien pour remplacer. C'est un peu dommage. Salut, Exode. Salut, salut. En tir, son deuxième tir, ça va être le tir à 490. Ah, je suis pas, pardon, je ne suis pas. Oui, c'est ça, 490. J'avais pas trié. 490, et c'est un tir avec Yuga. Vive la cohérence. Donc après, qu'est-ce que ça donne avec un tir à 490? Je suis pas hyper serein. Son deuxième dribble, c'est 370. Les interceptions, c'est bon, il a ce qu'il faut. Faudra lui en mettre une d'ailleurs. Le tackle, on est bien. Le tackle, il a ce qu'il faut, à peu près. Donc ok. Donc compliqué. Compliqué, compliqué. Bon, allez, on va quand même voir ce que ça vaut au niveau des stats, puis après on discutera. De toute façon, on a le temps, on a que ça à faire. Il n'y a rien d'autre. Si après on ira voir les défis. C'est vrai que je suis parti directement sur lui, j'ai pas été voir les défis. Alors attendez, parce que j'ai ma fiche de trucs qui reste à faire. Sur le Dream Analyzer, you know.
Et il y a le problème pro. Je crois qu'il est, hop, problème de save. Je crois qu'il est corrigé dans la version que j'ai sur l'ordi. Parce que ça va me saouler hein, de rentrer 55 à chaque fois. Ça. Alors, on va tirer évidemment. Parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est s'il explose Genzo. 11, 9, 9, 9. Ça, c'est vraiment pas. Comme ça, il a pas 12 000. Non, non, non. 10, 0, 12. Le tir est à, on a dit 555. Non, pas 55, 555. Et il a 30% sur paramètre parce qu'il a gagné une fois un duel. Voilà. C'est tout. On tire. En plus, ça va rien me dire à cause du, à cause du 55% de gain. 382 000. Eh bien, écoutez, je pense que c'est plutôt costaud. 382 000, je vais mettre l'avantage couleur. On est à 399. Donc 400. 382 et 400 avec l'avantage couleur. Eh ben, notre ami Genzo. Allô ? Ouais, merci. Notre ami Genzo, lui, il va être à combien ? Puisqu'il a rien. Il a zéro augmentation de stats. Genzo, il a 366. Voilà. Là où Xiao, il a à 400. Donc. Hop, tac, arrêt, punch. J'ai dit qu'il était à 400. Alors, c'est pas vrai, il était à 399. Hein, bon, on voudrait pas. Il est à 400. Ah merde, c'est vrai que j'ai un bug aussi là-dessus. Hop, on tire. Ça change rien. Voilà. 66% de chance de marquer à Genzo. Qui allume pas Genzo aussi? Ah bah beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc voilà. Voilà. Donc évidemment, tueur de Genzo. Tueur. Tueur quand même. Tueur quand même. Maintenant, encore faut-il y arriver devant Genzo. Encore faut-il y arriver. Et c'est pas complètement gagné pour lui. On va aller voir. Alors attendez. On peut quand même voir à peu près ce qu'il vaut contre les autres. Hein. Qui c'est qu'on croise? On peut croiser du Müller. Müller, tireur de tir au sol, 378 000. Il aura l'avantage couleur, 396 000. Donc Müller est au-dessus. Il n'est pas largement au-dessus, mais il est au-dessus quand même. Il est quand même au-dessus. Du Salinas, qu'on peut avoir, 382 000. Nous, on a dit qu'il était à 384, il me semble. Non, il a 400, puisque Salinas est rouge. Donc tueur de Genzo, tueur de gardien rouge, de base. Sinon après, voilà, Kalu, Japanese Killer, 382, il va perdre ses 15%. Ouais, j'ai peur que... Kalu, il a 400. 400, non, 30, 15. C'est combien déjà l'avantage couleur? Bon, allez, on va aller voir. Hop, avantage couleur, il a 5% je crois, c'est sur quoi? 5% sur les paramètres. Hop, 5% paramètres, avantage couleur, 367. Bah non, Kalu il décolle aussi. Ok, bon. En gros, à part Müller, en catch ça va être sympa. Lui, il est tueur de non-jap, zone de sûreté, 346 000, bah non, il va décoller aussi. Et c'est constant, à partir d'un duel gagné, oui. Bah ouais, c'est... Bah, de toute façon, si vous êtes dans la surface, a priori, vous avez gagné un duel. Vu qu'il est MO, c'est compliqué d'aller faire une passe dans la surface dégagée de tout défenseur en MO, quand même. Bah, j'imagine qu'on peut, hein, mais... Il suffit de déborder sur le côté, et puis la petite passe en rentrée, il passe par-dessus les défenseurs, etc., etc., mais... A priori. Donc voilà, il allume... il allume à peu près tout le monde. Il allume tout le monde. À part Müller. C'est une belle jambe. À part Müller, il allume tout le monde. Donc gros tireur. Gros tireur. Maintenant, il faut qu'il rentre dans la surface, quoi. Parce qu'en dehors de la surface, c'est pas la même. Salut New Sam, merci beaucoup pour le follow. Je ne m'attendais pas ce matin à faire du follow. 896. La 1-2 est à 455. Exact.
La 1-2 est à 455 et il a, pour ainsi dire, pas d'augmentation de stats. Parce que le but du jeu, c'est qu'il gagne son duel grâce à ça, pour qu'il puisse rentrer dans la surface et ensuite tirer. bon choix. On va tacler, hein. On va tacler en mauvais choix, évidemment. Mauvais choix en tacle, on est à... Si on prend... Bah, Akai. Bonne lecture, raté. Tueur de RS, tiens, Galvan, un petit Galvan. Galvan, il aura l'avantage couleur. Galvan, il tacle, il est au-dessus de son de sa 1-2, bon choix. Alors évidemment, j'ai fait exprès de prendre le joueur qui est au-dessus, mais sachez que voilà, c'est un Dreamco, tout neuf, tout frais, tout récent. Potentiellement, sur sa 1-2, alors qu'il a fait le bon choix, il n'est pas capable de passer. 130%, c'est fatigué de chez fatigué. Ah oui, ah ouais. C'est pas ouf. Il a le même stade de tir que Pierre DC ou Santana ADF, à quelques centaines près. C'est les centaines près qui comptent. C'est ok, voilà, c'est ici. Allez, c'est ok, à peu près ok. Mais franchement, c'est... Alors évidemment, il a déjà gagné un duel, notamment un duel défensif, on verra après. Voilà, 312, 381, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais lui faire la passe pour que lui aille en duel sans qu'il ait gagné un duel avant. L'Inter auto, ça compte comme duel? Je crois pas, hein. Oh, le gros doute. Quelqu'un sait dans le chat? Je récupère la balle en Inter auto, ça considère que j'ai gagné un duel ou quoi? Je dirais que non, hein, mais après, j'avoue que j'ai un gros doute. Bon, on va dribbler, puisque déjà c'est pas ouf de... Hein, on va dribbler. Le dribble est à 455 et il a moins de stats. Voilà. On est à 309, bon choix. Même quand j'étais à 45 de lien, c'était pas ouf. Hein. Nope. Voilà, donc on est d'accord. Autour Inter. Dribble moins fort. Oui, c'est ça, dribble moins fort. Alors, je regardais par rapport aux Inter. Hein. Ça sert à rien que je regarde le top dribble. Hein. Il est pas dedans. Top Inter, tueur de Jap. Non, t'as perdu. Casse-toi. Un petit low body. Bon, un petit low body, après, c'est pas... Hein, bref. Le petit low body, il a 331 000 en interception. Bonne couleur, évidemment, je fais exprès de prendre un vert. Hein. 309 000, bon choix. Cal, s'il fait interception, il récupère la balle. Donc, sachant que t'as pas envie qu'il fasse 2-1-2, parce que t'as pas envie qu'il rentre dans la surface, t'arrives contre Siao, c'est simple, tu fais interception. Voilà, avec un peu de chance, de toute façon, tu lui récupéreras son dribble. Ouais! Ouais, ok. Le tacle, donc c'est là que ça peut être un petit peu plus sympa. On va prendre son tacle à 475. Donc son meilleur tacle. Ça devrait monter un petit peu plus haut. Voilà, 320 000. Oh là là. Ouh. On commence à rentrer dans la catégorie correcte. Voilà, donc là il a fait le. De toute façon, il a fait le bon choix. 320 000, il a fait le bon choix. Donc je regarde le dribble en face. Ok, il y a quelques joueurs mauvais choix, surtout des techs, hein. Sano il a fait le mauvais choix, c'est une bonne lecture. Ouais. Schneider, le petit Yenista, c'est bonne lecture également. Santana, casse-toi, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, le Napo. Le Napo, 316 000, donc forcément si j'active l'avantage couleur, bah Napo il passe quand même. Voilà, mais bon. On rentre dans le ok, ça va, ça passe, vite fait quoi. Vite fait. Et là où il est meilleur, c'est en interception, encore heureux avec l'Inter auto. Et là, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué. J'anticipe le résumé. Voilà, 340 000 en bon choix sur son interception, si vous avez la meilleure interception à 490. Donc là, on est OK. Là, on est OK. Voilà. Les autres ont été OK, mais parce que je suis généreux ce matin. Hein, je suis de bonne humeur. Bon, là, on est OK. C'est fou d'avoir un Dreamco en 2023. MD, mais qui peut pas faire de première passe ou dribble. Bah, c'est ce qui se fait prendre même en bon choix.
Oui, contre seulement quelques joueurs, mais si tu veux, si à ta sortie tu te fais prendre déjà par quelques joueurs même en bon choix, ça va rapidement pas s'améliorer. T'as mis la stat de passe, non? J'ai mis la stat de passe là. Ouais, j'ai mis la stat de passe. En plus, c'est moins que ça. Effectivement, je suis reparti sur la passe. Je sais pas pourquoi. Bien vu. Ah bah vous êtes réveillé ce matin. Vache. Donc 332. Voilà. Bon, on est ok quand même. Hein, mais... Merci notre Thibaut. Et salut, ça va? Avec 30%, c'est correct, dribbler une 2, j'ai pas suivi. Oui. Ah oui, avec 30%, attends, ça va. À 30%, on est bien. Hein. 30%, tu fais le bon choix, tu passes dans la majorité des cas. Toujours un pourcentage. Hein, le jeu est construit comme ça. Hein. T'as toujours un petit pourcentage que même si t'es au-dessus, t'as quand même des risques de perdre le duel, voire de perdre le ballon. En fumble, ça dépend de ce que tu fais. Mais oui, on est bien au-dessus. Quoi. Qui m'en veut? Donc, donc voilà pour la puissance du bonhomme. Donc, tir énorme. Mais alors, dans le jeu, c'est pas incroyable. Hein. C'est vraiment pas incroyable. Désolé, je viens d'arriver, je peux encore dire bonjour. T'es arrivé avec une remarque pertinente, y a pas de problème. Tu as le droit de dire bonjour après, du coup. Eh voilà, il y a quelqu'un qui a un follow. Ah, fallait pas écouter. mais c'est le bordel ce matin. Ah ouais, je vois que ça unfollow et ça se refollow là. Ah ouais. Félicitations NewSam69, merci pour le follow, j'ai même pas vu passer. Tu es le millième. Arrêtez de jouer avec mes follows. C'est tellement intéressant le perso que je suis obligé de parler d'autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'il est extrêmement, extrêmement fort sur son tir. Voilà. Tueur de Genzo, effectivement. Maintenant, dans le jeu, il est. L'inter-auto est à peine correct. L'interception est ok. Le tackle est franchement moyen. Dribble, passe, tout ça, c'est franchement très moyen. C'est chaud quand même. Ils auraient pu lui mettre une petite bonne lecture, j'en sais rien. Qui s'ils ont foiré là? Assistance. Alors, assistance, c'est bien. Hein. Ce qu'il y a bien dans l'assistance, c'est quand il va venir et qu'il va être en deuxième. C'est-à-dire que le premier. À la limite, il va être là, il va tacler, lui, il va faire interception. Il aura des chances, effectivement, de récupérer le ballon sur un duel où il y a deux défenseurs. Il va récupérer le ballon, donc il aura gagné son duel, donc il sera augmenté après pour la suite. Grâce à l'assistance. Mais, déjà, c'est très très loin d'être garanti qu'il récupère le ballon. Mais c'est là où il sera fort. Voilà. Pour moi, c'est là où il sera fort, c'est quand... imaginons que vous êtes en face... vous arrivez au duel contre un gars, il y a Xiao qui arrive derrière en deuxième défenseur, bah vous préférez quand même donner la balle au mec qui est au premier défenseur, parce qu'imaginons que vous fassiez passe en vous disant ouais Xiao il est pas ouf, il y a quand même moyen que je le passe. Bah le tackle du premier défenseur il passe dans le vent, Xiao il est derrière, il a fait le bon choix, il va être légèrement au-dessus. Dans la grande majorité des cas quand même, il va être légèrement au-dessus, il va récupérer la balle, là vous êtes dans la merde. Là, faudra pas le laisser passer. Après, même avec les 30%, j'ai envie de vous dire que sur C1-2, si vous faites le bon choix défensivement, vous l'arrêtez. Vous avez un double seller de spé qui arrive derrière, il est mort, hein, si à vous. Donc voilà, c'est... Mais voilà, son seul... Pour moi, son seul point fort, c'est l'assistance qui va lui permettre de récupérer des ballons plus facilement que s'il allait tout seul au duel. Et ensuite, il va pouvoir faire une 2 s'il y arrive. Sinon, feinter avec le dribble, mais il est quand même pas ouf le dribble. Et tirer. Mais alors, déjà, ça commence à faire beaucoup de si. Et en plus, même avec cette tactique bien en place, mise en place, je pense que c'est comme ça que Club l'a réfléchi. Hein. Eh ben, c'est loin d'être une tactique avec un gros taux de réussite. Hein. Bref, soyons relous, aucun intérêt. Aller claquer ces Dream Balls sur un Dreamco, je rappelle que c'est un Dreamco quand même, sur un Dreamco, qui est même pas un super Dreamco. Il n'y a pas de 3+1, il n'y a pas de garantie, la Pity elle est à 1500 dB. En fait, c'est pas la sortie de Xiao hein, ce matin. C'est un Dreamco secondaire en fait. C'est juste la ressortie
des Français. Des Français. Sachant que pour aller tuer du Genzo, bah, je préfère avoir Pierre en MO que Xiao en MO ou MD. Hein. Clairement. Donc Xiao, il est là juste pour justifier le... c'est le personnage secondaire. En fait, le write-up, c'est Pierre. Faut raisonner comme ça. Le joueur principal du portail, c'est Pierre. Et puis, bah, peut-être que vous allez avoir Xiao en write-up. Mais vous invoquez pas pour Xiao. Bah, c'est trop... Enfin, non, faites pas ça. Faites pas ça. Bref. Si ça arrive une fois dans le match, Genzo a encore 33% de catcher la balle. Oui, voilà, c'est que... En fait, quand vous voulez marquer à Genzo, souvent, il va falloir faire plusieurs tirs. C'est quand on est en dessous. Moi, je sais que je suis en dessous. Si j'ai 33% de chance de marquer à Genzo, il suffit que je tire 3 fois. Et suivant les stats, hein, pas sur un match, évidemment, mais sur 20 à 50 matchs, je sais qu'en 3 tirs, je vais marquer à Genzo, même si je suis en dessous. Genzo, c'est de l'eau. Mais là, ouais, ça veut dire qu'il va falloir tirer à peu près 2 fois pour marquer à Genzo. Une fois, deux fois. Et en plus... Enfin, c'est compliqué de tirer plusieurs fois. C'est, ouais, c'est juste ce que je voulais dire, en fait. Je sais pas pourquoi je me lance dans des explications de merde. Si tu te fais catcher la balle par Genzo, t'es un peu dégoûté, quoi. Va falloir recommencer. Ça marche qu'une fois, le 30%. Oui. Donc, tu tires sans le bonus, si récupération, puis une 2. Oui, tu tires sans le bonus, oui. Oui, oui. Non, tu tires pas sans le bonus. Si, tu tires sans le bonus. Putain, le... Eh, hey, tu m'as complètement tué. C'est une fois, hein. Oui, mais non, tu perds ton bonus. Ah, arrête de m'embrouiller, toi. Ça va pas, non. On peut même pas donner son tir. Ah, si, son tir, tu peux le donner à un autre Xiao. Hein. Si, pas de problème, hein. Après, bon, on va regarder, tiens, puisqu'on s'ennuie. Voilà. Alors, voyons voir. Xiao. Pourquoi j'ai pas mon... Ah oui, d'accord, le... Ah, mais j'ai fait une connerie, moi, sur mon truc. Bref. Xiao, on va tirer. Donc ça, ce sont les magnifiques Xiao tueurs. Mais on va faire tir à 555, custom SP. 344 000 pour notre ami que j'ai droppé sur le... je sais plus, sur un ticket ou sur le Dreampo, je sais plus. 6 paramètres inférieurs en duel sauvegardien. 6 duels gagnés, boost TS de tir. Voilà. 749 la TS. Bon, par contre, ça suffit pas à marquer Genzo. Aucun Xiao n'est assez fort pour bénéficier de son tir. Bah, ouais, voilà, t'as le Munich, quoi. T'as le Munich, il faut qu'il gagne un duel avant. Pareil. Et s'il gagne un duel, il tire à 344, mais bon. Si, 344 au sol, avantage couleur, 356. Tu 356. Non, j'ai rien dit, tout oublie. Tu oublies. Parce qu'en plus, derrière, il est où? Il a disparu. Pff, derrière, c'est dégueulasse. Ouais, non, on oublie. Alors... Si tu gardes le bonus, en gros, une fois, c'est pour dire que tu vas pas à 60. Oui, tant que tu gagnes un duel. Tu gagnes un duel, tu gagnes un duel. Non, mais si tu... si tu tires face à un MD qui fait tacle inter, le bonus est actif face au gardien. Oui. Donc ça peut voir le coup de tirer de loin. Bah, tire de loin, tu seras pas au-dessus de Genzo, par contre. Mais, enfin, je crois pas. Faut regarder, mais... Ça risque d'être compliqué. Non, proxy, tant que tu gagnes le duel, le bonus reste, peu importe le nombre de fois. Et s'il gagne un duel, éventuellement, il marque pas. Ah ouais, mais ça... De toute façon, il n'y a rien de franchement garanti dans le jeu, hein, donc... Oui, il y a toujours un risque de pas marquer, c'est pas pour autant qu'il faut pas tirer. Hop là. Si je me trompe pas, les bonus de duel ne sont pas comptés si tu gagnes un duel défensif. Ah, si... Oula, il y a beaucoup de tests à faire, hein. Tu sais, ils ont compté, faut pas déconner. Si tu gagnes un duel, il n'y a pas marqué duel en gagnant un duel offensif. Hein. S'il n'y a pas marqué en gagnant un duel offensif, c'est bon. Hein. Si, heureusement quand même. Enfin, heureusement. Ça dépend de quel côté on se place, hein, mais... Bon, bref, tout ça pour vous dire que Xiao, c'est vraiment pas dingue. Déjà, c'est un perso qui hype quand même pas grand monde.
Et en plus, dans le jeu, il est mauvais. Hein. Dans le jeu, il est mauvais. Bah, il est très bon en tir, à condition d'avoir gagné un duel avant, mais sinon, il est très bon en tir. Mais dans le jeu, il est vraiment pas ouf. Voilà, c'était sympa. Hein. Merci d'avoir suivi ce cofimage. Bon, on va regarder l'event quand même. Je suis passé un peu vite. On va aller voir si c'est du ticket SSR à récupérer facilement. Donc là, il va falloir bien regarder partout. Pac. Non, ça va, il reste. Il part pas l'event de Dream Balls. Cool. Cool. Alors, l'autre chose, il y a quoi là? Je vois rien du tout. Un petit SSR là. Un petit ticket à récupérer ici. Il y a 20 dB pour battre Lucho. 20, 25 dB. Et c'est un ticket SR là par contre. 25, 35. Ah, casse-toi. 35, 38. 38, 46. Ça commence à être pénible à calculer. 46, 49. 49, 58. J'ai dit combien? 15, 56. 56, 62. Ah, je suis parti, je suis chaud là. 62, 66. 69. Il fallait bien que ça arrive à un moment ça. 72. Ah, c'est fini? Ça va être fini. Je suis pas en train de cliquer 50 fois sur le même. Ouais, je vais aller jusqu'au bout, je suis désolé. Ouais, j'ai pas vu. Donc 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 16, non? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, c'est pas 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ils sont 14. Donc 14, ça fait 28. J'ai dit combien? 72, bah il y a 100 dB à se faire. 100 dB. Merci Seb. J'aurais dû regarder le chat en fait avant, plutôt que de vous faire chier à compter. T'as pas encore regardé les récompenses du nouvel event? Ouais, c'était d'accord. Je suis en train de le faire. Pourquoi tu regardes pas sur Tsubasa IM? Je regarde jamais les events sur Tsubasa IM. Je ne regarde jamais. C'est vrai. C'est une question d'habitude, je pense. Puis c'est plus visuel. Tac. Ouais, mais ça, c'est la... Gacha News. Comment dire? Je regarde tellement jamais que je sais même pas où faut regarder. Je sais pas où faut regarder. Player. On sait rien. Je vois pas. Ok, bon, allez, voilà, on a tout vu, merci beaucoup à ceux qui ont suivi ce cofimage, parce que les news sont terminées, je vais dire 9h30 et 9h39, c'est pas mal. Hein. On va tenter d'aller récupérer des tickets SSR, donc là c'est un ticket SSR, ok. Par contre, ils sont... Ah, c'est pas comme le défi des champions, là. Avec ma team. Allez, courage, Chabi. Voilà, je suis pas en extrême, je crois que je ferai pas d'extrême ce matin. 1 million 1, ouais, ça devrait aller, là, quand même. Je suis pas sûr de faire d'extrême ce matin, le taux de réussite sera un peu trop... Salut Ju! Ça va? Ah, casse-toi! Allez, faut juste gagner, hein! J'ai pas fait gaffe. J'espère qu'il faut pas marquer 3 buts, hein! Bon là, ça va pas... Les 3 buts, je devrais les mettre. Hein. Nickel. Au taf et malade. Voilà, c'est ce qu'on aime. Juste gagné. Le gros doute. Oh, je vois qu'il y a des messages dans le salon d'invocation. Y aurait-il des gens qui invoquent Steve? Steve qui a droppé le Ciao. Écoute, félicitations à toi, Steve. En une multi, tant mieux, parce que ça vaut pas plus. Allez, 5 dB en plus, ça fait plaisir. Bon, quelques singles, je sors avec Pierre. Bah, si tu l'avais pas, c'est cool. L'extrême a pas l'air si extrême. Je l'ai pas son auto 1-0. Oui, mais c'est... Comment te dire? Ça dépend très fortement de ta... de ton équipe, en fait. Donc là, c'est un SR. Hein. Ah ouais, il y a que le premier qui offrait un SSR. Ah ouais, c'est du SR. Je vais pas tout farmer pour avoir du SR quand même.
où les tickets là? Ah, j'en ai sauté un. Ah, je sais pas lequel j'ai sauté. Y'a plus de tickets. Y'a qu'un seul ticket SSR. Après, c'est que des tickets SSR. Ou alors? Bon, alors, c'est triste tout ça. C'est rigolo hein, ce matin, on s'amuse. Hein. Bon, allez. C'est parti alors. J'avais aucun des deux français. J'espère que t'as quand même un appôt pour jouer Pierre. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche ça. T'as vu le nouveau gacha sur Blue Lock? Il est en Jap? Oui, qui est en Jap, oui, c'est ça. Ouais, bah j'ai. Enfin, j'ai même pas vraiment jeté un œil. J'ai vu qu'il était que en Jap, je fais. Oh, la flemme. Voilà le ticket SSR. Ouh là là, attention, nous allons vibrer. Je vibre. Ouh là là, quel personnage vais-je avoir? Kiki Tsubasa. Ouh là là, Robson. Ceux qui aiment les RNG vont adorer. Non, j'ai pas vu du tout les mécaniques. J'ai pas vu les mécaniques. Puis en plus, pour aller voir maintenant, faut juste aller voir un tutubeur. Ça donne envie de se connecter au live. Ah oui. Dis donc, Kaiser, c'est quoi cette médisance? Hein? Tu crois que je te vois pas? Voilà, j'ai fait mon ticket. Il est 9h44, j'ai analysé, j'ai pris mon temps pour analyser Xiao. Hein, voilà. Je suis content. Voilà, oh là, ils ont mis l'interception contre couche. Très content. La parfaite passe croisée pour Xiao, bah oui, comme s'il était pas assez mauvais, fallait lui en plus leur ajouter des spies de merde dans le shop. C'est cool. C'est cool. Voilà. Tiens, on a gagné, on a perdu, on a fait 4000 points, on a fait quoi? Oh, les 4000 sont là. Les 4000 sont là. Merci beaucoup. Ah si, faut que je les félicite. Il faut que je les félicite. Oula, c'est quoi ça? Comment j'ai réussi à taper ça, moi? Je sais même pas comment on le fait. Tac. C'est comme ça. Merci à tous pour les 4000. Pour les 4000 points. J'arrive pas à écrire. 29 sur 29. C'est beau. Voilà. Très content. Alors, on tombe sur qui? Ah, oula. J'aime pas le capitaine. J'aime pas le capitaine. Bon, on est à la moitié et on a 15 009. On est bien. Ah, lui, je l'aime pas, lui. Ah, lui, je l'aime pas du tout. Ok, il y a des points à les gratter quand même. Voyons voir le classement. On a eu de la chance? On a pas eu de chance? Non, alors, c'est nous, je vois. D'accord, donc au-dessus, c'était bien. Voilà, il y a plein de mecs autour de nous qui ont des confs dégueulasses. En dessous aussi. Et nous, on tombe sur une des rares confs de ce classement-là qui est... D'accord. Eh ben, Dédé, il est en forme, hein, visiblement. Hein? La preuve que l'on peut y arriver, maintenant, plus d'excuses. Bref. Bref. Bon, plus tard, pour les instructions, on verra plus tard, hein, les gars. Bon, bah 4 multi, je m'arrête ici. Alors, Megrus, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo. Faut pas aller faire 4 multi sur un Dreamco. Soit t'en fais 5, 6, 7. Soit tu dépenses 500 dB pour tenter d'aller chercher un des joueurs. Soit tu dépenses 1500 pour être sûr d'avoir celui que tu veux. Soit tu fais 3 singles, histoire de titiller la chance. Mais faut pas faire 4 multi comme ça. Enfin... Surtout sur un Xiao qui est quand même vraiment pas dingue. Et si tu veux avoir les Français, c'est pas en 200 dB que tu vas avoir les deux Français. Ou alors c'est plus de la chance à ce niveau-là. Faut pas faire ça, monsieur. Mais est-ce que j'ai fait 3 singles, moi? Rien du tout. Rien du tout. Xiao m'intéresse pas du tout. Et un des deux Français qui tomberait par un coup de chance en 3 multi, ça me ferait une belle jambe. 4 multi, 200 dB, ça fait un step-up avec un perso garanti. Caïman! Caïman!
Et de toute façon, les 20 dB qui te manquent pour finir le step, tu les as dans la semaine de où le portail est là, donc c'est pas un problème. Faites pas ça. Donc moi, je remonte doucement la pente. 300 que j'aurai fini l'event. Voilà. Et pour l'instant, il y a absolument rien. Il faut faire un single de la chance. Bah non, parce que comme je viens de le dire, ça me... J'ai rien. Enfin, je... Si je chope un 2-2 français, je pourrais pas vraiment le jouer. Si je chope Xiao... ouais, ok, il va aller dans ma team. Alors vraiment, ça m'excite pas du tout. Donc non, j'ai aucun intérêt. Non, je suis désolé. Je boude. Il n'y a aucune single sur ce dream coup. Rien du tout. Rien. On va aller farmer les DB. De toute façon, c'est fini. Je l'ai dit la dernière fois, je me suis pris une baffe sur cet anniversaire-là. Hein. C'est fini les conneries. C'est fini. Ça fait... C'était quoi? C'était décembre 2017? Novembre 2017, je ne sais même plus. 2017, donc ça fait 4 ans... non, 5 ans. 5 ans que je joue au jeu. J'ai toujours réussi à avoir une team correcte pour le niveau de PVP que je côtoie, hein, pour mon implication dans le PVP. J'ai toujours réussi à avoir une team correcte. Je crois bien que c'est le premier anniversaire que je passe où je drop correctement et je ressors avec une team incapable de survivre en silver. Ouais, j'exagère un peu, mais à peine. Hein, à peine. Donc non, c'est fini. Le jeu, il a décidé que... qu'il fallait arrêter de faire des conneries comme ça. Et que maintenant, il fallait gérer ses DB comme on gère un PEL. On n'a plus le droit à la chance. C'est fini. Voilà. On n'a plus le droit de s'amuser. C'est devenu sérieux. Allez, on va essayer de gratter les DB. Puis voilà. Et puis voilà. Comment il s'appelle? C'est Blue Lock World Champion? Non, c'est pas un truc comme ça, là. Blue Lock. World Cup? Ah non, World Cup, c'est à cause de... Yes. World Champion, ok, c'est bien ça. Salut Zeus! T'arrives un peu tard, hein. Captain Tsubasa Trader. Non. For Android and iOS in Japan. Après, je regarde pas du tout l'anime, en fait. Ça me fait bizarre de les voir en couleur. It is still being determined when... or if it will ever be available to audiences worldwide. En soi, vu le succès du manga, ce serait étonnant qu'il ne le sorte pas en mondial. 2 dB. Bon, je suis sur ma moyenne. 2 dB, c'est ma moyenne. Là. J'ai fait aucun run avec 0 dB, mais j'ai fait aucun run avec plus de 2 dB. Peut-être 3 dB une fois. Peut-être. Alors j'ai pas compris parce que le défi superstar, je m'attendais à en chier. Et je crois que c'est une des fois où j'ai le plus, comment dire, c'était le plus facile. Il y a eu une équipe contre qui j'ai dû relancer plusieurs fois. Mais vraiment plusieurs fois, je veux dire. Sinon, en une ou deux fois, c'était torché à chaque fois. J'ai été étonné. J'ai tout loupé. Ah, t'as tout loupé. Après, leur système qui favorise les contre-rerolls à chaque anniv, c'est tout bénef pour eux. Bah oui et non, parce que les rerolls à chaque anniv, c'est pas eux qui récupèrent l'argent. Donc, disons que ceux qui alimentent vraiment, ceux qui dépensent vraiment beaucoup d'argent dans le jeu, et je parle de mecs qui sont plutôt en pays asiatiques et dans les pays arabes, hein, c'est pas forcément en France qu'ils font leur beurre. Les Émirats arabes, bien entendu. De toute façon, s'ils veulent suivre les contre-rolls, ils balancent des centaines et des centaines chaque mois. Donc, c'est là qu'ils se font leur beurre, même. C'est pas sur les rerolls. Les rerolls obligent les baleines à rester des grosses baleines. Mais c'est tout. Le problème, c'est que tous les contre-rolls passent par le step silver.
et qu'ils ont des teams pétés au possible. Pour cela que le PvP est devenu Wano Kuni. Je vais me prendre alors. Ah bon. Oui, c'est compliqué quand on s'appelle Zeus, c'est compliqué de mourir. En même temps, t'as pas loupé grand chose, j'ai envie de te dire. Là, je pense qu'on est sur un des moments les plus excitants du Coffee Mag. Hein. Ce que tu vois là actuellement. Hein, donc tout va bien. Tout va bien. Ils font du téléchargement de jeu. Ah oui. Pour référencement de ça. Oui, tout à fait. À chaque fois, ça fait un nouveau téléchargement. Bonne remarque. Mais en termes de rentabilité derrière, c'est pas incroyable. Ah, je continue, hein, je farm quand même pas. Hein. Ah là là. Mais bon, après, je vais pas faire une demi-heure de farm. Enfin, moi, que vous ayez vraiment un sujet hyper, hyper intéressant et hyper. Comment on appelle ça ? Qui fasse beaucoup débat, quoi. Ça, je voulais dire. J'étais au début de la Nive Superstar. Et je sais pas pourquoi je descends progressivement vers Platine 1. C'est normal, ça ? Oui, c'est normal. Ah, je vous avouerai que quand je. Parce que là, je suis Silver 1, je crois. Je vous avouerai que quand je lance un match PvP et je tombe contre une grosse team et que je perds en Silver 1, puisqu'on était à parler de Blue Lock, je peux vous dire que mon ego il prend un coup. Ça fait mal. Moi, j'ai un sujet. Est-ce que tu as testé ChatGPT ? Alors, très vite fait, sur le téléphone de mon père, parce que lui, il l'a. Mais sinon, non, j'ai pas fait plus que ça. Après, je t'avouerai que ça m'agace un peu tout le voilà. Toute l'excitation qu'il y a autour des IA. Que ce soit des IA d'images, des IA écrites, etc. Je pense qu'il y a juste des mecs qui sont tellement à fond là-dedans qu'ils ont fini par me saouler avec ça. Ils sont tellement persuadés que ça va tout remplacer ou je ne sais quoi, que le grand remplacement. Et que si tu t'y intéresses pas, t'es le roi des cons. Que ça m'a gonflé. Donc non, pas plus que ça. Dans ton taf. Oui, j'imagine. Mais j'ai pas de... Enfin, ChatGPT, j'ai pas forcément d'utilité dans le taf. Hein. Moi, à la limite, tu vois, je fais de l'image, donc... moi, je vois déjà comment ça râle sur les sites des graphistes. Oui, bah oui, ça râle, même. Ça râle aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ne jurent que par ça. Que par les nouvelles IA graphiques, etc., pour générer des images. Il y a des très belles images qui sont générées, hein, c'est pas le problème, hein, mais... un graphiste, t'arrivera toujours à te générer une meilleure image qu'un mec lambda. Hein. Donc, au lieu de râler, je pourrais te dire... C'est un peu comme les graphistes traditionnels, donc crayon, pinceau, etc. Hein, qui ont râlé en voyant des belles images faites sur ordinateur en disant ouais mais c'est de la triche. En fait non, c'est pas de la triche, c'est juste un nouvel outil. Faut juste apprendre à s'en servir et à générer les meilleures images avec, c'est tout. Bref, mais oui, après il y a des problèmes de droits d'auteur, etc. On peut pas le nier non plus. Alors pas pour ChatGPT, hein, évidemment. Oh, joli. Tac, tac, tac. T'as vu Avatar ? Non. Pareil que le 3 sera fait avec GPT. Oh bah bon. Ils ont pas besoin de GPT pour écrire des scénarios. Ouais. Enfin je dis ça, j'ai pas. Le 1 m'a pas excité des masses, donc j'avoue que le 2, je suis pas. Pas forcément. Je suis pas attiré plus que ça. Le 1, le scénario était tellement moisi. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas d'écriture de personnage, il n'y avait rien. Enfin si, non, c'est pas qu'il y avait rien. Il y avait du beau cinéma par contre. Il y avait une grosse réa, une grosse direction artistique, ça en mettait plein la gueule. Mais bon. J'ai commencé à m'en servir au travail. Gestion de projet IT. C'est un vrai outil, mais il faut lui apprendre quand il fait des erreurs ou il n'est pas pertinent. Bah, il faut...
Après, ChatGPT, visiblement, c'est que la bêta. Hein. Ils vont sortir le. Pourquoi j'ai que la moitié de mes persos qui affichent. Ils vont sortir du. Comment dire. Ils vont sortir de bien plus lourd à côté. Hein. Parce que normalement, l'idée des IA, c'est qu'elles apprennent d'elles-mêmes, donc elles s'améliorent au fur et à mesure. Mais oui, quand j'avais été jeté chez mon père, on avait testé sur une question précise de boulot. C'était pas mon boulot, c'est le boulot de madame. Mais j'ai lu la réponse qui était un pavé. J'ai eu l'impression de lire un site internet lambda. Le genre de site internet où quand je le lis, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'au final, j'ai quand même pas appris grand chose. Et que ça faisait beaucoup de texte pour pas grand chose. Alors c'est bien écrit, hein, c'était complexe, etc. Mais j'avais l'impression de voir un site internet de merde qui est là juste pour faire du référencement et gagner de l'argent avec les pubs. Ah, ça m'a saoulé. L'humain est toujours important. Mais oui. Tout à fait. J'attends de voir l'évolution dans quelques années où tu mets un cahier des charges PDF, il sortira tout un plan de projet avec la ressource. Ah, par contre, oui. Il y a un bel avenir pour lui. Quand tu vois... Enfin, ça va faciliter le travail, ça va être violent. Moi, je suis surtout les IA... Alors, les IA graphiques, je suis un peu de loin. Je n'ai pas testé vraiment encore. Mais même sur des IA pour générer des objets 3D, etc. Dans 5 ans, je peux te dire qu'un mec va pouvoir abattre le boulot de 5 avant. Quoi. Ça va être violent. Ouais. Tac, tac, tac. Bon, bah, je gratte. Je sais même pas si je gagne des tickets. Non, là, j'ai pas gagné de tickets. Ça se trouve, il n'y a plus de tickets à gagner. Hein. En verrière, je veux dire. Ah, il y a un ticket là. Ticket. On s'en fiche en fait, Sopic. T'es largement au-dessus, t'as pas besoin de lead. Ah là là. Bon, après, moi j'attends que les IA soient capables de coder correctement aussi. Mais bon, après, plus l'IA est performante et plus il faut apprendre à s'en servir. Hein. Ouais, Resin Brick en surface, boum! Tsubi DF, il est chaud avec ce passif. Bah ouais, Tsubi Santana, ce passif. Moi, dans les... Justement sur les défis aux champions, je sais pas quoi, alors c'est pas celui-là, l'autre là, celui qu'on a tous les mois. Des fois je regardais un peu mon écran, Naturezza qui prenait la balle. Il me driblait toute ma team et bim, il marquait. Sympa. Non, ouais, très fort ce passif, très très fort. Natutsubi, Mikatsubi. Ouais, la team la plus forte est vraiment très forte hein, pour le coup en ce moment. Tu devrais tester les deux approches quand tu as une question précise sur du code. Recherche chez Google et ChatGPT. Peut-être. Moi je fonctionne encore un peu à l'ancienne. Je vais chercher des mecs qui font des tutos sur YouTube. Alors, des tickets. Non, t'as pas de tickets toi. Non mais t'as déjà regardé en fait ce pic. Ah voilà. On va aller faire une multi SR mes amis. Vous êtes pas prêts. Hein. Non mais il faudrait que je m'intéresse un petit peu plus à ChatGPT. Parce qu'il y a des choses à faire quand même. Ne serait-ce que pour être prêt pour la suite, effectivement. Mais tu vois, typiquement dans mon boulot, les IA génératrices d'images. Ça sert à rien. C'est pas eux qui vont générer l'image à ma place. Hein. Donc il faut... C'est comme tout, il faut savoir s'en servir de manière pertinente. Tu me demandes comment apprendre plus de Blender, je suis curieux de la réponse. Abandonnez famille et amis, et concentrez-vous pendant une semaine, faites que ça. Ce qui est une très bonne manière pour apprendre un logiciel. Hein. Par contre, pour s'en souvenir après, c'est plus compliqué.
Non mais ça va, je commence à me démerder sur Blender. Je commence à me démerder. Je suis encore en train de tâtonner, mais au final j'arrive quand même au résultat que je veux à peu près, donc c'est cool. C'est juste là, j'avais besoin de matériaux assez précis et textures assez précises et je les ai pas trouvés. De toute façon, je fais un gros post-traitement sur Photoshop derrière, donc c'est pas très grave. Tu utilises quel moteur de rendu dans Blender? Cycles? Oui, j'utilise Cycle parce que j'ai besoin de grande précision dans les ombres. Ombre et occlusion. Occlusion ambiante dans les ombres, etc. Et voilà, c'est tout. Tu verras rapidement la différence sur Google, tu vas trouver des exemples génériques ou des réponses avec un exemple qui diffère d'un ChatGPT, il va construire le code sur la base de ton exemple, plus qu'à copier-coller. Ah oui, carrément, il code à ta place en fait. Je l'ai pas testé pour du code. Après, ChatGPT, je l'ai testé dans la voiture. Donc j'étais pas en train de coder en fait. Mais on a un crédit par jour, c'est ça? C'est pas un outil complètement libre. Je suis même pas été regarder. OpenAI. Tu copies-colles ton code et tu lui demandes d'optimiser. Ou tu lui demandes de corriger un problème. C'est un truc de ouf. This code is not working like I expect. How do I fix it? Ouais, tu discutes avec lui en fait. Collect demonstration data in a trans previous policy. Ouais, faudrait que je m'y intéresse de plus près. Ça devrait. Tiens, d'ailleurs, pour mes clients, ouais, faudrait que je m'y intéresse pour mes clients. En fait. Là, c'est en anglais et je suis un gros flemmard. Je suis capable de lire l'anglais, hein. Mais je suis un gros flemmard. Y a pas une ressource française qui t'explique bien tout? T'as pas ça, toi? Ce coup filmage point. Ah bah non, il suffit pas de gagner. Ah non! Ah oui, pour aller récupérer les récompenses en extrême, ça va être chaud quand même. Ah non, en extrême, il suffit de gagner. Oui, c'est ça, pardon. En extrême, il suffit de gagner. Ah non, mon ticket. Tu peux lui parler French aussi. Oui, non, mais je parle de la... Oui, je lui avais parlé en français, moi. Quand je l'avais testé. Non, je parle de tout. Si c'est libre, juste si tu dépasses 50-100 requêtes par heure, il va te mettre en atteinte. Ah, c'est tout? Alors pourquoi mon père il m'a fait écrire pas trop de conneries parce que sinon j'aurais plus de crédit. Ouais non c'est pas pour lui parler, c'est juste pour quelqu'un qui t'explique comment bien s'en servir et ce que ça fait exactement, comment bien s'en servir et tout quoi. Ah mais c'est eux aussi qui font DALL-E. Ah, ce sont les mêmes. Ouais, faudrait quand même que je m'y intéresse. C'est con parce que c'est clairement quelque chose qui m'aurait intéressé, mais il y en a tellement qui m'ont saoulé avec ça que j'ai fait un blocage. Quoi. C'est comme quand il y a un super film qui marche au cinéma. Il sort, tout le monde dit « Ah, c'est génial !» et du coup, j'ai plus envie d'aller le voir. L'esprit de contradiction, ça s'appelle. Merci beaucoup Itachi pour le follow, je crois que je t'ai pas vu. 1001. On repasse à 1001. Ah là là. Dommage qu'il n'y ait pas Delragon ce matin. On a parlé Epic Seven. Vous jouez à Epic Seven les gars? Il y a quelqu'un qui joue à Epic Seven? Parce que
que ça joue pas mal dans le Discord quand même. Je reviens sur le jeu vidéo. Tac. Ah, je me méfie maintenant, je prends un vrai leader, parce que... connais pas, c'est quoi? C'est un... bah, c'est un gacha. C'est un gacha, je sais pas quel âge il a, hein, Pete Seven. C'est pareil, il doit avoir 4 ans, un truc comme ça. Hein. J'ai le jeu, mais connexion journalière uniquement. Ah. Pipi. Et pourquoi tu fais que te connecter... pourquoi tu te connectes encore, en fait? C'est plus ça la question. T'attends une mise à jour, un truc? Ah oui, bah voilà, c'est comme ça qu'on fait, d'accord. Oh, Schneider, on fait un effort, quoi. J'invoque avec les bonus. D'accord, plaisir d'invoquer. Mais tu jouais Day One ou... t'es un vétéran ou... ben... je sais pas s'il y a quelqu'un, là. Ouais, que je demande, je m'y suis mis il y a pas longtemps, il y a même pas une semaine. Quand j'ai découvert que Delragon s'y était mis pour tester, je me suis dit, ah tiens, je vais essayer de m'y remettre. Parce que j'avais essayé une fois, puis j'avais pas accroché, donc je m'étais barré. Quelques gros persos, mais pas trop de temps. Voilà, plein de tickets. Ça va être chouette, hein. Alors, on en est où? Non, un petit ticket. Il n'y a plus de tickets. Bon, bah voilà. Pour les tickets, c'est fait. Fais voir, il y a un petit extrême qu'on peut se tenter avec des tickets, là. Non. Non plus. Toujours pas. Pas non plus. Ah, et si on veut des DB, il va falloir quand même tabasser de la grosse team, quoi. Ah, j'ai récupéré tous les tickets? Sérieux? Voilà, c'est parti! Je commençais avec les premiers morceaux limités sur la glo. D'accord! J'ai 5 persos Dark Light 5 étoiles. Ouais, mais tu sais, moi ça me parle pas des masses. Hein. Ah ouais! Eh ouais! Alors attention, hein, ça va vibrer. Voilà, merci d'avoir entendu jusque-là pour ces invocations-là. Hein. C'est la fête. Attention. C'est parti. Oh là là. 5 pigeons. Allez. Flamme rouge. C'est pas encore des garanties tout ça. Hein. Ah. J'ai dit 0 à 16. Voilà, t'as déjà perdu. C'est bien fait pour toi. Ça t'apprendra. Mmh. Ah voilà. Allez. Un Allemand. Voilà. Ah, 4 pigeons, pas de chance, pas de paillettes. Flamme rouge. C'est peut-être bien le troll là à ce niveau-là. Voilà. Voilà. J'ai eu un SSR, je suis content, ce serait peut-être un peu beaucoup dire. Voilà. Bon, j'ai pas de quoi faire un mixeur, j'imagine. Pas du tout. Mais genre pas du tout. Allez, on va tenter sa chance sur les 6 invocations du Dreampo. Beaucoup de hype ce matin. Hein. Ah, il y en a un peu moins déjà. Voilà, merci. C'est beau. Les SSR, ça sert plus trop sauf pour de l'explo. Oui. Oui. Bon, après, il y a des joueurs. Il y a quoi? Il y a peut-être 2-3 joueurs que j'aimerais bien dropper, mais. C'est pas le truc qui va faire. Oh, ça y est, je l'attendais. Enfin, il va pouvoir rentrer dans ma team. Je vais pouvoir faire rentrer lui et tout. Non. C'est fini ça. Ça, c'est fini. Bon bah voilà. On va peut-être pas rester non plus. Il y a 3 attributs, feu, eau, plante, et en plus il y a les Dark Light. Oui. Mais qu'on peut avoir qu'avec des tickets plus rares. Ah. Ouais, parce que les attributs, les couleurs, ça va. Bon, j'ai quelques jours de jeu, donc je vais quand même réussir à avoir ça. Mais disons que 5 persos, 5 étoiles, ça me parlait pas. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Fini l'époque de SSR en mode, oh je le voulais, oui. C'est fini. Complètement. Bon, bah écoutez, je vais me barrer. Hein. Je vais aller faire un magnifique montage de vidéo pour sortir une vidéo incroyable. Une VOD incroyable. Je vais mettre à jour le Dream Analyzer. Puis bah, je vais retourner bosser. Hein. Puis je vais
pendant que je fais le montage, j'irai voir sur si je vois un peu des chats GPT, je sais pas quoi. Enfin, bref. Tu travailles pas un peu en live? Non. Non, bah non, non, pas là. Bah non, surtout que là en plus, justement, je suis sur les rendus Blender. Donc autant te dire que je pense que le live va pas aimer le rendu. Ça, non. Et puis c'est pas hyper excitant de voir les petits carrés. Enfin si, moi j'aime beaucoup, c'est très relaxant. Mais pour un live, je pense que c'est un peu moyen. Bref, 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 bref. Donc on a passé les 1000. 1000 follow, c'est cool. Faut que je remette un nouvel objectif. Bah, je vais mettre 1500 quoi, mais après... disons que s'il n'y a rien à atteindre, s'il n'y a rien à débloquer avec l'objectif, en général, c'est que l'objectif est pas... Il est mal défini. Ah, bref. Modé un ballon, c'était d'été. Un live avec un tuto Blender, ouais. 1111. Ah, le prochain objectif, 1111. C'est pas mal. Ou 1283. Ah. Je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien celui-là. Faut que je fasse gagner un truc. Ce serait bien de faire gagner un truc. Je vais réfléchir. Mais bon. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Puis on se retrouve. Je sais pas, lundi ils ont rien annoncé, donc on se retrouve pas en fait. Hein. Voilà. Merci pour cette belle aventure. Bon, vendredi prochain, théoriquement. Vendredi prochain, il se passe quoi? Non, y a rien, c'est bon, c'est pas les vacances. Y a quoi vendredi prochain? J'ai rien. Vendredi prochain, pour le prochain Coffee Mash. Et puis d'ici là, bah, bon courage à tous ceux qui vont invoquer sur Ciao. Enfin, bon courage à toi qui vas invoquer sur Ciao. Les autres ne vont pas invoquer de toute façon. Et puis on se retrouve donc vendredi prochain pour le Coffee Mage. A très bientôt sur The Can Games pour d'autres vidéos, d'autres lives, d'autres folies. Ciao ciao Jenna. Je sais pas pourquoi je fais ce geste en plus. Il est ridicule et en plus il est hors caméra. Salut. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si c'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.